Pour la première fédération de parents d'élèves, l'équation est simple. Plus de notes, c'est moins de stress et donc plus de réussite. Les notes, c'est aujourd'hui pointer ce que les élèves ne savent pas. C'est organiser en fait un stress et une souffrance et qui ne génère finalement que de la démotivation. Mais pour de nombreux parents d'élèves, les notes ont quand même quelques avantages. Ça permet aussi de situer l'élève et de le familiariser aussi au monde dans lequel il va vivre et dans son monde de compétition qui fait que finalement il y a aussi des échelles de valeurs. J'ai une petite fille qui a 10 ans. Bon, j'ai pas l'impression que ça la stresse outre mesure ce système de notation et ça la motive quand même pas mal. Et du côté des principaux intéressés, surprise, beaucoup d'élèves se révèlent finalement bien plus attachés que l'on pourrait le croire à la terrifiante marque rouge en haut de la copie. On aime quand même bien savoir notre niveau, quoi. Je préfère la solution quand on a des notes, voilà. À l'automne dernier, une association d'aide aux élèves en difficulté avait déjà ouvert le débat en lançant une pétition contre les notes à l'école. Une proposition immédiatement écartée par le ministre de l'Éducation.